Taper dessus, il y avait des milliers de gens, personne n'a bougé, personne. Je peux vous le dire, j'étais là, j'ai tout vu. Dernièrement, pas un flic, mais ils étaient en stage. Maintenant, ils ont des stages de motivation. Le titre du dernier stage, c'était équivalent 9, est en prison le 10. Je vais ralentir. La semaine dernière, avec ma femme, on était au restaurant, dans un quartier qu'on ne connaissait pas, on a égaré la voiture devant le restaurant, et pour éviter tous les soucis, on a mis un petit papier sur le pare-brise, il n'y a pas de GPS à voler dans cette voiture. J'explique ça pour dire, je ne sors plus du tout, sauf pour venir ici, tous avec la guerre en Ukraine et les talibans qui ont pris le pouvoir à Kaboul et l'Iran, il paraît qu'il y a un risque d'attentat chez nous, ici, en France. Même ici. C'est vous dire où on en est. Sauf que maintenant, on sait ce qu'il faut faire en cas d'attentat. Grâce au ministère de l'Intérieur qui a pris les choses en main, on publie une petite affichette qui a été affichée ici à la mairie et dans les écoles partout. Ça s'appelle « Réagir en cas d'attaque terroriste ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque terroriste? Je vous écoute. Non. Se sauver. Pas sous la table. Mais tu fais ce que tu veux. Donc, je vais vous lire. Ça s'appelle Réagir. Alors, je lis. Avant l'arrivée des forces de l'ordre, ces comportements peuvent vous sauver. Peuvent. Du verbe peut-être. En un, il faut s'échapper. On sent qu'ils ont bossé, les mecs. Si on ne peut pas s'échapper, en deux, il faut se cacher. Putain, on n'y pense pas à ça. Ensuite, il faut éteindre la lumière. Ça, c'est un attentat dans ta chambre. Parce que dans la rue, il faut trouver l'interrupteur. Et le plus important, donc là, je demande de rester concentré parce que c'est un truc qu'on ne peut pas y penser tout seul. Ils ont fait des tables rondes avec des neuropsychiatres, c'est très très haut niveau. Restez concentré. Ensuite, il faut éteindre son portable et appeler la police. Et quand la police arrive, surtout, il ne faut pas courir vers elle parce que sinon, très vite, la balle est dans ton camp. Donc ça, c'est en cas d'attaque terroriste. Maintenant, vient de sortir un nouveau truc. Alors c'est tout nouveau. Ils n'ont même pas encore le temps de faire l'affichette, c'est pour dire. C'est compliqué de faire une affichette. C'est sur le site du ministère de l'Intérieur, donc vous pourrez aller vérifier vraiment et vous verrez que c'est tout à fait vrai ce que je vous raconte. Je l'ai recopié. Et c'est tout nouveau, puisque c'est d'actualité complète, puisque c'est que faire en cas d'attaque nucléaire. Parce qu'il y a des choses à faire. Garder son sang-froid. C'est les mêmes qu'on fait les deux. Ne pas regarder l'explosion. On va regarder tes pieds pour voir si t'en restes. Rester éloigné du point d'impact. Parce que tu sais, en présentiel, leur époque. Quand j'ai demandé si c'était année en histoire, ils faisaient Austerlitz, ils disaient non, on fait pas les gars. Enfin, j'espère que tout ça, c'est derrière nous. Ça devrait aller. Bon, là, il y a une petite vague qui finit, il y en a un autre qui arrive, mais c'est rien. Il y a un Borne, elle l'a dit, la fin de la pandémie dépend de plusieurs facteurs. Donc là, je me suis dit, si c'est la poste qui s'en occupe. Ben reste le réchauffement climatique. Alors, cet été, la sécheresse, il n'y aura plus d'eau. Le Ricard. Sans eau, ben, je vais en prendre un double. Et les forêts qui brûlent partout. On l'a vu l'année dernière à Bordeaux. Vous avez vu, ça brûle dans le monde entier. Au Brésil, c'est pire. Au Brésil, terrible. Au Brésil, tout le monde fout le camp. Les Brésiliennes, on les retrouve dans le bois de Boulogne. Toujours le feu au cul.
Et sur la banquise, les pauvres éléphants de mer, ils rêvent que d'une chose, c'est d'encorner les Esquimaux. Et un Esquimau encorné, c'est pas naturel. Et les poissons, les petits poissons, les gros poissons, bientôt il y aura plus de poissons. Bientôt pour préserver les morues, on va sauter que des thons. Et les thons, il n'y en aura plus non plus, puisque les pêcheurs apprennent tout après qu'ils se plaignent. T'entends, on peut dire, ça fait 2000 ans qu'ils se plaignent les pêcheurs. C'est dans la Bible, là. Priez pour nous, pauvres pêcheurs. Mais là, il y a du monde. Ça fait rien, quand vous aurez fini, vous prendrez la gueule d'à côté. Vous m'avez dit que c'était le bordel, mais à ce moment-là... Après, je suis allé voir quelqu'un très important. Je suis allé voir un conseiller d'orientation. Attention, son bureau est à côté de la sortie pour qu'on soit dans la bonne direction. Entrez, c'est vous, expliquez-moi un petit peu comment vous avez fait pour en arriver là. C'est quoi votre parcours? Écoutez, j'ai fait simple, j'ai pris le métro, j'ai changé à l'enfer. Non, moi, je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous avez comme bagage? Pour le métro, j'ai rien pris du tout. À cause du tourniquet. Attendez, monsieur, si ça me paraît quand même très curieux, toutes ces réponses. Donc là, je vois à sexe, vous avez mis pas cette semaine. Salaire demandé, vous avez mis oui. Ne rien inscrit sous cette ligne, vous avez mis d'accord. Donc on va reprendre depuis le début. Donc vous avez détruit votre prénom, c'est Gilles. Vous êtes Manuel? Non, je suis Gilles. Il va falloir quelque chose de simple. Quelque chose à l'air libre qui vous dégage là-haut. Les travaux publics, bah, même s'ils sont privés, je m'en fous. Je vois ça, monsieur le conseiller spécial d'orientation du Pôle emploi de France. C'est payé combien? Je ne vais pas, je vais vous lire. C'est payé le SMIC. Ça m'intéresse pas. Écoutez-moi. Et dans 6 mois, le SMIC plus 20%. Eh ben, je reviendrai dans 6 mois. Ça va prendre 15 caddies pour faire 3 courses. Mademoiselle, vous travaillez ici? Oui, vous avez la clé du camion. C'est un euro de caddie, c'est pas cher. Je vais en acheter un, hop, et c'est à moi. Je sais pas comment je vais le rentrer dans la bagnole. Allez, voyons voir cette liste. Bon, je finirai par le vin, ça me fera un but. Alors, 1 kilo de sucre glace, ça doit être au surgelé. Quatre yaourts entiers. Ça va mal, mais de là, j'ai des moitiés de yaourts. Un pain complet. Elle est conne ou quoi? Un pain demi. 1 4/4 pour 3. Elle se chute au pec. 1 baril de lessive et 5 visi. Une amie de ma femme. 2 grappes, ça commence à me faire chier. 1 paire de gants vaisselle à ta taille. Je dirais qu'il n'y en avait pas. Et là, ben, elle fait t'es où? Ben, je suis au carrefour. Quel carrefour? Au carrefour du rond-point. Je suis dans le coin fruits et légumes. T'as oublié la salade? Bouge pas, je l'ai retrouvée, c'est très très bien indiqué. Alors salade, voilà, ça y est, j'y suis. Laitue, j'y suis. Laitue, je te dis que j'y suis. Explique à ton mari. Ah, ça, laitue, à présent, il y a un purée, vas-y, mange, que je demande à une vendeuse, une frisée. Pourquoi les frisés s'y connaissent en laitue? T'es dingue ou quoi? Attends, t'énerve pas. La poissonnerie, tu ne l'as pas mis sur les... Tu mets des trucs, après tu te plains. Attends, t'énerve pas. Poissonnerie, voilà. Ça y est, j'y suis. Hein. Quoi? Comment sont les sols? Carlé. Ah, tu veux dire les poissons plats, comment ils sont? Ben, malheureusement, elles sont mortes. Je ne sais pas si elles sont mortes. Je ne vais pas monter sur le truc pour sucer des arêtes. Hein. Attends, il y a un petit panneau. Elles viennent du Portugal. C'est bon, c'est si, en général, les bonnes viennent du Portugal. Tu préfères la charcuterie, mais tu te rends compte du temps que ça prend. Attends, t'énerve pas, charcuterie, c'est pas la charcuterie. Charcuterie, voilà.
charcuterie. Bonjour monsieur, vous êtes charcutier? Oui, super. Je vais pas, je demande à ma femme, celle qui décide. Si vous aussi, c'est pas tout pareil. Qu'est-ce que je lui demande? Ah non, je ne peux pas lui demander ça. T'énerve pas, s'il te plaît. Comment sont vos rognons? Ça va. Mais on repaye. Et quand on voit les dépassements d'honoraires, moi je dis au carnaval, je vous les paierai quand j'aurai des dépassements de salaire. Parce que ça, on a peur peut-être chez l'hôpital, hein, des millions de gens à l'hôpital et des milliers, ils meurent. Et j'ai remarqué un truc très très bizarre à l'hôpital, c'est qu'on ne voit jamais de corbillard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour savoir, quand on va voir mon plateau, qu'on dit c'est du lapin, est-ce que c'est vrai? Parce que tout le monde va à l'hôpital, hein. Vous, moi, les grands hommes, les petits, les plus grands, les plus forts, même les politiques Sarko, quand il est président, il va faire un malaise vagal, mais il est tombé, pouf! Il est sorti le lendemain à l'hôpital, le lendemain, ce qui montre quand même que c'est un surhomme. Parce que moi, je suis allé aux urgences, le lendemain, j'étais encore en salle d'attente. Il faut dire que j'étais pressé, pas que aux urgences, ils prennent que les patients. Cet été, on va aller en Tunisie faire du cabot. Dimanche, on mange un nouveau goulard. D'accord, on dit pas, fais pas qui est. Je les sors. Il y a le pont, les voyages, c'est très, très, très compliqué. J'ai pas tout tenu. La seule chose que j'ai repris, il m'a dit, pour pas avoir de mauvais cholestérol, il faut pas manger de viande rouge. C'est possible. Sauf que là, j'ai la ferrotine. La ferrotine, c'est le fer. Il m'a dit, vous êtes pauvre en fer. Pour être en santé de fer, il faut manger de la viande rouge. Il faudrait savoir. Parce que tu peux avoir une santé de fer, mais si tu as le cholestérol qui est soup, t'as le cœur qui pète. Donc il y a une santé de fer, mais est mort. Ça, les analyses du surmoi, j'ai des surmoi, c'est bon pour rigoler. Terminer les hôpitaux, les tout. Moi maintenant, je me sens tout seul. Moi maintenant, j'ai des fourmis dans les jambes, je prends du bacon vert. Et pour le rhume, j'ai un truc extraordinaire, un truc de ma grand-mère. Ma grand-mère, 96 ans, elle ne sort plus du tout. Elle me dit, je ne vais plus dans les cimetières, j'ai l'impression de visiter un appartement témoin. Et tu verras quand on prend mon âge, tu iras aux galeries. Le vendeur te fera, madame, mais qu'est-ce que vous faites? J'essaye un chapeau. Madame, vous êtes au tabac-jour. Donc elle me donne des conseils. Et elle m'a donné un conseil pour le rhume. Donc je vais vous le donner parce qu'il y a encore des rhumes. Ça ne marche pas pour la COVID, mais ça marche pour le rhume. Et ma grand-mère, elle m'a dit, le mieux pour le rhume, c'est l'acupuncture. Vous saviez ça? Non. Elle m'a dit, tu verras jamais un hérisson avec la goutte au nez. J'ai estropié le chien, oui. Et alors quoi? Eh bien alors c'est 100 euros. En Irlande, ça va être fait. Non mais avec votre femme, ça se passe comment sexuellement? Bon, ça, j'ai pas du tout envie d'en parler, mais enfin, à ce prix-là, on en parle quand même. Il fait, mais elle aime le sexe, oui, mais pas le mien. Et vous? Bah, moi, j'adore le mien. Mais au lit, elle vous parle, elle me dit, bah oui, dis-moi des choses sales. Alors, je lui dis, cuisine, salle de bain. Mais elle vous plaît toujours, bah, quand j'y pense, oui, mais quand je la vois. Elle fait, vous avez essayé les boosters Viagra? Je dis, bah oui, dès que j'en prends, garde à vous, mais dès qu'elle la voit, repos. Elle fait, vous expliquez ça comment? Bah, j'ai réfléchi, je pense que le Viagra, c'est une drogue, et que même droguée, elle la reconnaît. Et bien, ça m'a fait un bien fou pour parler de toi. Parce que j'attends ma femme, la preuve, la preuve. Tiens, il y en a qui connaissent. La preuve, c'est que dès que j'ouvre un œil le matin, dès qu'elle ouvre un œil le matin, je dis un truc drôle pour qu'elle passe une bonne journée. Et comme j'ai pris l'Académie du Rire, j'arrive à un niveau de drôlitude le matin entre 6h30 et 7h. Je vous donne un exemple. Je fais, tu sais ce qui serait bien pour les vacances, ce serait qu'on aille dans un endroit, qu'on aille à l'île de Pâques. Plutôt Pâques, on va aller en vacances à l'île. Ben, ça m'a fait marrer autant que vous. Et fait tout ça, je propose ça, pour savoir pourquoi faire, pour savoir où ils vont. Et ben, demandez-leur.
Mais le pire, c'est le pilote qui parle pour rien dire. Il attend, il dit des trucs, il dit « La température extérieure est de moins 40. » Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On va pas sortir dehors faire un tour. Depuis qu'ils ont mis les toilettes à l'intérieur, on va plus pisser au bout de l'aile, là. Notre altitude de 20 000 pieds, mais qui va les compter les pieds ? Et le décalage horaire, c'est une arnaque énorme. C'est un truc pour nous faire payer les billets plus chers. Personne n'est capable d'expliquer le décalage horaire. Ma femme, elle m'a embrouillé avec une sorte de pantalon de fuseau, j'ai rien compris. Je vais expliquer le décalage horaire, parce qu'en fait, moi, je l'ai vécu parce que moi, vous voyez, comme je suis là, je suis allé jouer mon spectacle à New York. Ouais. Non, je suis allé jouer mon spectacle à New York. Ouais. Je ne suis pas resté longtemps, il ne parle pas français, c'est des vrais coups. Je t'ai expliqué. Tu pars, il est midi. Le vol dure 7 heures, t'arrives, il est 10 heures du matin. Comment c'est possible? Vas-y, je t'écoute, docteur. Alors, l'avion part en marche arrière. J'ai un très très gros problème dans l'avion, c'est que j'ai les oreilles qui sifflent. Ça fait mal, les oreilles qui sifflent. Alors, je le dis à l'hôtesse, parce que les gens osent pas. Moi, j'y dis à l'hôtesse, j'ai pompé. J'y dis, mademoiselle. Fort, je suis en classe égo. J'ai dit, mademoiselle, j'ai des oreilles qui sifflent. Je me dis, essayez le chewing-gum. Une semaine pour leur dire. De la poste, c'est une nouvelle organisation que d'ailleurs les Chinois ne font pas copier. Avec des barrières, comme ça, foutu barrière. Même si tu es tout seul, tu suis les barrières. Là-bas, au loin, il y a les guichets. Coucou. Je vais arriver dans l'après-midi. C'est moi, trop tard, fermé. Ben, j'arrive, je dis bonjour madame, excusez-moi, je vous ai rangé pendant le travail. Je voudrais un timbre. Un timbre comment? Un timbre avec des dents. Pourquoi faire pour qu'ils se défendent pendant le voyage? Un timbre normal ou collection? C'est quoi collection? Ça prend de la valeur. Ben, faut être con pour l'envoyer. Et là, elle me regarde avec un air de crabe qui a raté la marée. Sans collection, pas mais les timbres n'ont plus de dents. Nous avons enlevé les dents de tous les timbres. Pourquoi? Parce que nous avions des accidents du travail. Et à la place où on fait la lettre suivie, je dis, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, la lettre suivie? Elle a fait, on suit les lettres. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il n'y a personne derrière les guichets. Ils suivent les lettres. Donc, si tu vois un postier qui marche comme ça dans la rue, c'est qu'il suit une lettre. Maintenant, il y a la machine à franchir. Vous voyez, c'est un gros bloc qui est posé comme ça. C'est l'intelligence artificielle à la poste. Donc, ils mettent un agent à côté pour prendre la pique. Alors, tu mets la lettre sur le plateau pour poser, tu pèses la lettre, ça fait lettre ou colis. Là, déjà, tu sens que tu vas gagner du temps. Parce que ça se voit à l'œil nu que c'est pas un colis. Ou alors c'est un colis très très plat, mais ça se veut le coup de temps. Après il y a Colissimo, donc là tu sais que c'est pour l'Italie. Et après il y a le prix 1,34€. Et ensuite il y a Sémé ou Monnaie. Je dis, j'ai pas de monnaie, tu mets Sémé. Et là il y a Sémé à partir de 2€. Et là tu dis, j'aurais lu envoyer un mail. Alors les colis, vous savez qu'en 2025, c'est très compliqué les colis. En 2025, c'est les drones qui vont livrer les colis à la campagne. Vous avez vu, c'est incroyable. Je pense que vous me dites, parce que sur la campagne, on attend le facteur pour prendre l'apéro. Et prendre l'apéro avec un drone, c'est un peu comme ça. Si vous voulez dire un billet, appuyez sur l'écran. J'appuie sur l'écran. Billet seul, réservation tout train. Je ne vais pas en réserver dans tous les trains. Alors, réservation du train. Avez-vous déjà un billet? Je recommence. Billet seul. Quelle est votre gare de départ? Paris, Versailles, autre. Paris. Quelle est votre gare d'arrivée? Angers, Brest, Paris. Pourquoi être Paris à Paris? Je peux peut-être y aller en vélib. J'ai voulu autre gare. Pour l'autre gare, tapez les trois premières lettres de la gare. G-A-R. Il n'y a pas de gare commençant par gare.
J'ai mal à la tête. Vous voulez partir dès que possible, aujourd'hui, demain, après-demain, autre jour. Dès que possible. Pour partir dès que possible, adressez-vous au guichet. Je partirai demain. Demain, quelle est votre date de départ? Demain. Quelle est votre date de départ? Demain. Quelle est votre date de départ? Autre jour. Quel est votre jour de départ? Demain. Je t'ai niqué, saloperie. Désirez-vous un meilleur retour? Oui, non, j'ai mal à la tête. Oui, vous voulez revenir dès que possible, aujourd'hui, demain. Je vais partir avant de revenir. Si vous ne désirez pas de meilleur retour, tapez retour. Retour. Bonjour, désirez-vous un billet? Je veux voir mon maman. Téléphoner sous l'eau, c'est bon. On t'appelle Allô, j'y suis. Fais des photos. Au début, je me photographiais sur tout l'œil. Toi aussi. Hein. Et texto, et texto, et texto. Les SMS, faut faire gaffe. L'écriture automatique, ça fait des trucs très, très bizarres. Je pars à Nice, ça fait je pisse à part. Forcément, quand j'arrive, il n'y a personne. Moi j'ai plein d'applis, j'adore les applis, donc j'ai plein d'applis. Mon appli dont je me sers le plus préféré, c'est l'appli sport comptage de pain. Vous savez, le truc que je mets dans la poche comme ça, ça compte les pains que je fais dans ce pain. Quand je recule, ça compte les pains. Et ça me dit combien j'ai bouffé de calories. Par exemple, je fais la boulangerie, ça fait 800 pains, ça fait 250 calories, mais 800 pains, 250 calories. Sauf qu'arriver à la boulangerie, qui fait aussi le pâtisserie. J'achète une grosse religieuse au chocolat, 250 calories, et il ne le sait pas. Il est niqué de smartphone. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit, parce que dedans, il y a l'intelligence artificielle et les algorithmes. Tu leur dis tout ce que je fais, tout ce que je dis, le fait. Et en plus, à la maison, il y a un tour Alexia, qui enregistre tout ce qui se passe dans la maison. Et après, je lui pose une question, il me répond, parce que j'ai un assistant Google. Vous n'avez pas son assistant Google qui arrive avec la tour qui enregistre tout ce qui se passe dans la maison. Je lui pose une question, je lui dis, où est ma carte bleue? Il dit, demande à ta femme. Où est le whisky? Demande à ton fils. Où est le thermomètre dans ton cul? Fais la santé aussi, la santé, je pense qu'on pousse comme ça. Pendant 5 secondes, et après je lui dis, comment je vais? Il me fait, tu vas bien. Fais mon pouls, il me fait, t'as pas de pouls. Puis pourquoi il me fait, parce que t'es chauve. Google. Et tu peux lui poser des questions sur n'importe quel sujet, la réponse à tout, c'est incroyable. Ça. Tiens, je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais poser une question, vous avez une question toute bête, un truc. Tiens, mets-le au parleur, Philippe. Vous avez la question. Je sais pas, une question. C'est où sans coin? On n'est pas sans coin ici? Si, ben, il ne le sait pas, ça. C'est en France? C'est bon. Il y a une question plus générale. Qui est Macron? Le président de la République. Il est de droite ou de gauche? Il mouline. Je vais aider. Est-ce que c'est un bon président? Ça dépend. De quoi? De votre salaire. Au-dessus de 10 000 euros par mois, c'est un excellent président. Et au SMIC? Enfiler un gilet jaune. Il y a quelques années, avant la Covid, quand on avait encore 10 sous, on travaillait encore un peu. J'ai fait un grand voyage, je suis allé en Afrique du Sud voir les Zoulous, parce que j'avais toujours rêvé de rencontrer les Zoulous. Et là-bas, j'ai rencontré le grand chef Zoulou. J'ai dit, mais jamais je ne pourrais revenir chez vous, parce qu'en France, on paye tellement d'impôts que c'est terminé les grands voyages. Et le grand chef Zoulou, qui est aussi grand sorcier, il m'a donné un truc pour faire baisser les impôts.
Et je vais les faire pour vous ce soir. Il faut poser sa tablette comme ça par terre. Il faut danser en zoulou autour de la tablette et les impôts baissent dans l'année. Donc, je vais faire pour vous ce soir. Il m'a dit, attention, toi tu fais la danse zoulou et le public fait le chant zoulou, sinon ça ne marche pas, ça fait monter les impôts. Parce que le chant zoulou, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est aïe, aïe, aïe. Aïe, 20%. Commencez par lever les filets. C'est un anniversaire, enfin, s'il faut louer un chalutier. Je l'avais rentré demain. Je connais la Vichy. Bon, c'est moins loin. Prendre un beau collet, une belle sèche, un litre de moule, porter une casserole d'eau à ébullition, puis jeter les moules et mouiller la sèche. Je sèche quand la moule alors là. Plongez-le colin 5 minutes dans le bouillon, puis sortez-le pour qu'il respire. Il est très résistant. Même sous Vichy. Replongez une fois, ressortez-le pour qu'il s'exprime. Là, il va gueuler. D'ailleurs, c'est plus Vichy et Gestapo. Faites chauffer une poêle pour le faire revenir. Il reviendra pas. Il vient de prendre le bouillon. Surveillez-le pour ne pas qu'il s'attache. Grenouille. Ah. Ça c'est original. Comment vous avez commencé par bien dégager les cuisses. Et ben voilà. C'est bien ça pour un anniversaire. Choisissez des grenouilles à la robe bien verte. Si on dégage les cuisses, la couleur de la robe, on s'en fiche. Dégagez les cuisses et retirez les deux glandes. Des grenouilles, bois de Boulogne. Crevettes à l'antillaise, crevettes fourrées à la banane. Comptez une banane par crevette. Ça me paraît énorme. Morue, morue à la portugaise, la morue se fait sauter avec un doigt de poteau. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Où est-ce qu'elle a trouvé ça? Ré à la grecque. On n'y pense pas souvent à ça. Commencez par bien laver la raie. C'est un minimum. Les petites raies passent directement à la casserole. Les grosses raies doivent d'abord se faire tremper. Ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Macro, Bruno. Bon, je préfère pas savoir. Poulet à l'africaine. Ah, ça c'est différent. C'est différent. C'est différent. Pour faire un vrai poulet à l'africaine, commencez par séparer les blancs. Et autre chose, poulet à la Corse. Bah tiens, il n'est pas très vieux ce livre. Commencez par poser le poulet sur le grill, puis allumez la paillette. Moi, j'ai un truc pas trop dur à faire, hein, parce que je débute. Donc un truc de débutant, mais qui soit bon, qui fasse plaisir, parce que c'est